Moi, c'est Kevin Lorrain, puis j'enseigne l'électricité au Collège Montréal. Il y a moi et Louis Rancourt, un autre de mes professeurs, qui donne le cours, parce que c'est électricité et électronique. Donc, tu vois non seulement juste une partie du cours, mais tu en vois aussi la côté électronique, parce que notre cours d'électricité, en troisième année, tu as le choix entre l'électricité, l'électronique ou l'énergie alternative. Donc, Louis lui enseigne la partie, là, que, la partie des inventeurs. La partie électronique, c'est les inventeurs qui aiment ça travailler avec ces petites choses-là. La différence, c'est que c'est plus... c'est moins une relation de parents-enfants et plus une relation, comment d'autres dire, mais de peer. C'est que on est moins strict, moins formel, puis aussi c'est beaucoup, beaucoup de hands-on. Puis c'est pour ça qu'on est moins strict, parce qu'on joue avec des choses. On ne peut pas juste apprendre, on les voit, on les manipule, on les travaille. C'est ça le but de tous les programmes au collège, là, puis spécialement en électricité. C'est très différent de l'école secondaire. Comme les profs sont différents, les classes sont différentes, les arts sont différents. Comme t'es plus libre. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Dans un trou, il est considéré supporté. Ça, c'est l'équivalent de mettre un tarp. Chose préférée, apprendre de l'électricité et les ateliers qu'on fait parce que ça nous donne du hands-on et les profs savent beaucoup leurs choses. Au début, les élèves y arrivaient un peu avec la mentalité OK, je suis ici pour apprendre, je vais m'asseoir, puis là, le prof va parler, on va voir quoi qui se passe. Mais dès la première leçon, on a commencé tout de suite à manipuler les objets, des lumières, les batteries, voir les fondamentaux de l'électricité et de l'électronique. So, dès la première leçon, j'ai pu voir un changement de la première heure à la dernière heure. Ils ont commencé à sortir tout le papier, puis vouloir prendre un million de notes. Mais 15 minutes après, c'était serré, puis on avait nos kits, puis on travaillait avec les interrupteurs, les fils, les lumières, les batteries, tout ça. Tous les outils nécessaires pour apprendre les concepts de base. Les enseignants sont probablement les meilleurs que j'ai jamais eu au secondaire. Une bonne expérience.